Chers amis, bonjour. Nous sommes avec notre équipe heureux de vous retrouver encore pour célébrer ce dimanche. Les temps sont accomplis, proclame Jésus en Galilée. Le temps est limité, écrit Paul aux Corinthiens, car le monde tel que nous le voyons est en train de passer. Le temps s'écoule, fleuve tranquille ou tempête à subir. Mais dimanche après dimanche, comme un jalon sur notre route, dont le but est déjà fixé. La liturgie peut devenir pour nous un repère pour orienter l'écoulement du temps. Elle atteste qu'une promesse traverse notre temps et elle ne cesse de l'annoncer. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici que la bonne nouvelle se met en route sur les chemins de Palestine. Voici que le Fils lui-même nous presse de le suivre. Seigneur Jésus, appel de Dieu pour les hommes, réveille-nous et change nos cœurs. Seigneur Jésus, parole de vérité pour les pécheurs, réveille-nous et change nos cœurs.
Seigneur Jésus, parole de vérité pour le monde, réveille-nous et change nos cœurs. Nous commençons aujourd'hui la lecture continue de l'évangile de Marc, le plus court des quatre évangiles reconnus par l'Église, mais aussi le plus dramatique sans doute et plus directement provoquant. Marc a recueilli des souvenirs épars transmis dans sa communauté, des paroles de Jésus conservées comme testament du Maître pour vivre de l'inspiration qui a traversé toute sa vie. Mémoire de gestes dont on mesurait après Pâques la signification profonde et toujours actuelle. Marc recueille cette tradition des croyants et compose un récit aux allures biographiques. Mais loin d'être une vie de Jésus, son évangile est une prédication provocante. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tel est son message. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer. Car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors,
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. La première lettre à la fin de l'évangile, un mouvement semble animer toute la parole et nous emporter avec elle. Tous paraissent saisis d'urgence, les disciplines de l'évangile et Jonas, l'homme envoyé vers Ninive. Tous sont provoqués à une migration qui devient nôtre. Les temps sont accomplis. Il faut se décider à prendre des mesures d'urgence. Jonas, symbole de sa communauté, est invité à aller vers les non-juifs en témoin de la volonté de Dieu de sauver tous les hommes, juifs et étrangers. Le récit, qui est une fiction à portée théologique, devient ainsi lourd d'une vérité qui traverse toute l'histoire sainte. Dieu veut le bonheur de tout homme, telle est la bonne nouvelle. Du livre de Jonas.
la parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. En voyant comme ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. L'accomplissement du projet de Dieu engendre la provocation de la conversion. Appel-réponse caractérise la dynamique de la foi. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul répond à des questions particulières posées par le comportement de la communauté qu'il a fondée dans ce grand port méditerranéen. Le temps est limité. Littéralement, le temps a cargué ses voiles. Il ne s'agit donc pas du temps chronologique. On cargue les voiles d'un navire arrivant au port. Paul souligne donc que l'événement ultime de notre histoire a déjà eu lieu avec le mystère pascal. Toute la vie des individus et de la société est transformée par ce bouleversement. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, ceux qui ont une femme, soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde tel que nous le voyons.
premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent les frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font que dansent les montagnes. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Il est bon de te louer, Dieu de tendresse et de fidélité. Il est juste de te rendre grâce pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Lorsque les temps furent accomplis, il vient chez les siens proclamer la bonne nouvelle et susciter parmi les hommes un peuple saint, signe du monde à venir. Aujourd'hui encore, des témoins se lèvent au souffle de l'Esprit pour annoncer ton royaume et le salut de l'univers. Et c'est pourquoi nous te louons, Père très saint, en unissant notre prière à celle de tous nos frères dans le Christ, les héritiers de l'Évangile du bonheur. Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'emporte sur la haine. Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez, les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. Vous l'avez certainement remarqué, les trois lectures de ce dimanche font allusion au temps. Le temps dans sa durée, le temps qui passe, les jours donc, les mois qui défilent. Un temps court, très court, 40 jours de la première lecture, on l'a entendu, avant que la ville de Ninive ne soit détruite. Un temps de vie sur cette terre qui est limité, comme le rappelle Saint Paul.
Et encore dans l'Évangile, les temps qui sont accomplis selon la proclamation de Jésus. Découvrons plus avant cette notion du temps dans chacun des textes. Nous connaissons très certainement Jonas et son histoire. Le livre de Jonas dans la Bible est un conte merveilleux de 4 pages dans le Premier Testament. Après quantité de péripéties, Dieu demande à son prophète Jonas de porter un ultimatum aux habitants de Ninive. Ninive, la grande ville païenne, la capitale de la Syrie, ces Assyriens qui ont envahi Israël, donc les pires ennemis d'Israël. Jonas, au nom du Seigneur, doit aller dans cette ville hostile porter un cri d'alarme. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. En d'autre mot, plus que 40 jours pour vous convertir, pour vous tourner vers Dieu. Le temps est donc très court. Le temps presse pour changer de cap, pour passer du temps sans Dieu au temps de la foi en Dieu. Et à la grande surprise de Jonas, les gens l'écoutent. Aussitôt, dit le texte, ils crurent en Dieu. Comme quoi, le court délai de temps a fait son œuvre. Sans perdre de temps, les habitants de Ninive ont saisi l'urgence d'accueillir la miséricorde de Dieu. Dans la deuxième lecture, saint Paul dit sans détour aux chrétiens de la ville de Corinthe, « Je dois vous le dire, le temps est limité. Le temps de votre vie sur cette terre est limité. » Sous-entendu, ce temps terrestre passe vers un autre temps, vers un autre monde, vers une autre existence. Définitive celle-là, l'existence en Dieu. En conséquence, continue saint Paul, si vous êtes croyant, ne vivez pas ici-bas en absolutisant autant les choses, les biens, les personnes ou encore les difficultés et même les épreuves de ce monde. Il va même plus loin, on l'a entendu. Saint Paul dit ceci, que ceux qui ont une femme, fassent comme s'ils n'en avaient pas. Surprenant. On pourrait le penser, Paul veut-il dédaigner le mariage ou les femmes? Ce n'est pas ça qu'il est question. Paul met en garde en demandant de ne pas chercher à posséder l'autre, à se l'approprier. D'ailleurs, plus loin, dans cette même lettre aux Corinthiens, il leur dira que l'essentiel est dans l'amour, l'amour qui ne se gonfle pas d'orgueil. La seule chose qui ne passera pas, dit saint Paul, dans l'hymne à l'amour, comme on l'appelle très souvent, la seule chose qui ne passera pas, c'est l'amour, avec un grand A. Ainsi, en parlant du temps qui est limité et du monde qui passe, Paul appelle chacun et chacune au discernement de la juste valeur des personnes et des biens, sa juste valeur au regard même de Dieu. Et enfin, dans l'évangile de Marc, nous sommes au tout début, au premier chapitre, Jésus entame sa proclamation en disant « Les temps sont accomplis, et le temps des prophètes, et le temps de l'attente du Messie. Ces temps sont arrivés maintenant à leur terme. » Maintenant, donc, Dieu accomplit sa promesse. C'est un temps nouveau qui commence, le règne de Dieu, le temps du Dieu tout proche en la personne de Jésus. Regardez ce Jésus agir, dit saint Marc. Regardez-le agir, écoutez-le, et vous verrez comment Dieu guérit, comment Dieu soigne, comment Dieu relève, comment Dieu pardonne, et finalement comment Dieu ressuscite. En Jésus et par lui, c'est le règne de Dieu qui s'est approché de l'humanité, qui s'est approché de nous tous. Et ce règne de Dieu, il est déjà à l'œuvre. En conséquence, conclut saint Marc, vous, mes lecteurs, vous, mes auditeurs,
convertissez-vous. Étymologiquement, tournez-vous vers ce Jésus qui vient à votre rencontre. Le verbe convertir doit pas nécessairement être pris au sens moral du terme, mais presque au sens physique. Vous qui avancez dans la vie, vous qui marchez jour après jour dans la vie, sans parfois savoir où vous allez, tournez-vous vers Jésus, suivez-le, prenez son pas pour aller vous-même vers la vie avec un grand V. Et chemin faisant, croyez et découvrez que ce Jésus est bonne nouvelle, qu'il est heureuse nouvelle pour vous-même, pour votre route et aussi pour votre vie. Ce sont ces paroles-là que les quatre premiers disciples ont entendues lors de la mer de Galilée. Des paroles de bonheur, des paroles d'avenir, sortant de la bouche même de Jésus. Au point que ces quatre disciples ont tout lâché pour accompagner Jésus. Ils ont lâché et leur métier et leur entourage, convaincus que le message de Jésus et du règne de Dieu était pour eux, qu'ils ne pouvaient pas attendre, qu'ils devaient absolument saisir cette chance. Aussitôt, dit le texte, aussitôt, ils partirent à sa suite, sans hésitation, pour porter à d'autres ce bonheur de leur rencontre avec Jésus et pour apprendre, aux côtés de leur maître, à sortir de leur filet et des eaux troubles de la vie, tant d'hommes et de femmes en mal ou en difficulté avec leur existence. Il est temps de conclure. Le temps passe. Notre temps sur cette terre passe inexorablement. Ce temps est unique. Il est précieux. L'urgence de Dieu, les 40 jours, comme l'urgence de Jésus, prêchant au bord du lac, témoigne de l'urgence d'instaurer le royaume de Dieu dès ici-bas, dans le monde d'aujourd'hui, dans chacune de nos vies. L'urgence de proclamer aujourd'hui encore, et plus que jamais peut-être, la bonne nouvelle. L'urgence d'accueillir et de vivre cette bonne nouvelle. L'urgence enfin de faire les bons choix de vie, de discerner l'essentiel et de l'accomplir. N'hésitons pas à faire nôtre la demande du psaume 24 que nous chantons tout à l'heure. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Ils sont pour nous tous chemin de vie, chemin de bonté, chemin de salut. Passant au bord du lac, Jésus vit Simon et André en train de jeter leur filet. Il leur dit « Venez ». Nous venons vers toi, Seigneur Jésus. Tu annonces la bienveillance de Dieu, que ta sollicitude nous appelle à aimer comme tu aimes. Nous venons vers toi, Jésus Seigneur. Tu jettes à tout vent la bonne nouvelle du salut. Que ta parole guide nos choix de vie. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus. Tu accueilles les malfamés, les délaissés.
rends-nous proches des exclus, des désespérés, des condamnés, des rejetés. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus. Tu soulages les cœurs meurtris et les corps malades. À ta suite, rends-nous compatissants de toute détresse, vigilants au bien de tous ces temps d'incertitude, attentionnés pour ceux qui affrontent l'épreuve de la maladie, la solidarité de ceux qui la combattent. Nous venons vers toi, Jésus Seigneur. Tu appelles tes disciples pour devenir les témoins de ta mission. Sois la pierre fondatrice de nos communautés chrétiennes et la force de ceux qui portent le souci de partager aujourd'hui la joie de l'Évangile. Seigneur Jésus, notre Maître et notre Sauveur, tu nous appelles à nous réjouir de ta parole. Rends-la nouvelle pour nous, aujourd'hui, et nous marcherons à ta suite puisque tu nous invites à prendre le chemin que tu ouvres devant nous. Assuré de ta bonté, soutenu par le don de ton esprit, nous nous unissons à ta prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Passant au bord du lac,
Jésus vit Simon et André en train de jeter leur filet. Il leur dit : « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Dieu a donné à chaque être humain normalement constitué certaines possibilités de réaliser quelque chose dans sa vie. Bien entendu, certaines ont été mieux partagées que d'autres, mais Dieu n'a laissé personne sans talent. Chacun de nous porte en soi, caché au plus profond de lui-même, des forces créatrices, et nous avons le devoir de les découvrir et de les utiliser. Lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du Créateur, quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que lui aurait confiée le Créateur, à lui personnellement et à ce moment précis de l'histoire du monde. Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. L'insurrection pacifique de Martin Luther King. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Chers amis, avec toute l'équipe qui a préparé ce dimanche, nous vous souhaitons bien sûr une très bonne semaine. Ce dimanche consacré à la parole, le dimanche de la parole, comme on a pris l'habitude de l'appeler, faites en sorte que cette parole devienne une parole vivante. Les détours de votre vie sont les chemins de Dieu. En cette semaine où nous prions pour l'unité de toutes les églises, veillons à soigner déjà la communion entre tous, entre chacun, et plus particulièrement à ceux qui doivent subir la souffrance de cette période difficile. Et dans notre unité pastorale, à partir du week-end prochain, nous célébrerons en présentiel avec 15 personnes maximum pour respecter les règles qui nous sont imposées. Nous célébrerons à nouveau dans toutes nos églises selon l'horaire habituel. Il faut cependant s'inscrire pour cette célébration. Vous trouvez tous les renseignements sur le site, bien sûr, de l'unité pastorale. Et puis, nous espérons que le bouche à oreille pourra avertir tout un chacun afin que nos petites assemblées se reconstituent dimanche après dimanche. En attendant peut-être de vous retrouver, en tous les cas, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt. Depuis cette église Saint-Remi, nous vous souhaitons un très bon dimanche. Au revoir.